Dans cette capsule vidéo, je te montre les différents modes d'affichage lors d'une vidéoconférence dans Teams. Première des choses, dans une vidéoconférence, on peut aller cliquer sur les trois petits points en haut et on peut aller choisir les différents modes d'affichage. On retrouve Galerie, où on va voir un maximum de 9 élèves. On a également la Grande Galerie. Donc dans la Grande Galerie, toutes les personnes qui ont leur caméra ouverte, on va pouvoir les voir jusqu'à un maximum de 49 personnes. Finalement, lorsqu'on clique sur les trois petits points, il y a également le mode « Ensemble ». Dans le mode « Ensemble », les participants vont se retrouver dans un amphithéâtre et on va voir tous les participants en un coup d'œil. Donc, on peut avoir là aussi 49 participants. Pour revenir d'un mode à l'autre, on clique sur les trois petits points et on peut passer d'une galerie, grande galerie ou mode « Ensemble ». Pour être capable de voir le mode « Ensemble », il faut un minimum de 5 participants en s'incluant et les participants doivent avoir leur caméra ouverte.